C'est le cas de dire qu'on ne voit pas le temps passer quand on travaille en musique et qu'on a des instruments virtuels sous les doigts qui nous ouvrent autant de portes à l'imagination, à l'audace, la créativité. C'est fantastique. C'est un peu ce que je propose ici. Je mets finalement en contexte quelques clips, enfin, pour aller chercher une atmosphère musicale. Et je m'amuse à intégrer ou enfin explorer certains instruments virtuels que j'ai pris sur le site Piano Book. Ça, c'en est un Massive Pad en format DS, Descent Sampler, avec le lecteur donc gratuit, qui a été une réalisation du compositeur américain David Ilowitz. Vous trouverez d'ailleurs tous les liens sur l'onglet où vous êtes actuellement sur le site YouTube. Et c'est donc une proposition d'un compositeur, un créateur qui s'appelle J-I-M, E-Jim, ou je ne sais pas si on prononce comme ça, E-J-M. Enfin, son acronyme, et il nous arrive avec cette proposition qui est faite à partir de différents types d'échantillons. L'interface est assez simple. On a donc quelque chose qui nous présente en survol, comme si on était sur un drone et qu'on fait une photo, une image, une captation de l'environnement où on est. Il indiquait, je pense, sur son mémo, qui existait entre Massive Pad ou Arctic Pad. Effectivement, on voit ici une présentation de proposition très hivernale, si on veut, avec la neige, le froid, le côté glacial. Sur l'interface, si je vous l'amène un petit peu plus grand, tiens, pour qu'on puisse voir. Alors, il y a deux éléments. Il y a Attack ici et Release. Vous aurez accès, effectivement, avec le taux d'injection via ce petit onglet. Si je veux avoir une attaque plus douce, je vais enlever un peu ici. C'est le fun, des fois, d'aller chercher la note qu'on n'attend pas. Massive Pad, vous voyez que c'est une sonorité qui est vraiment très enveloppante. J'ai mis une attaque ici très douce. Je vais aller chercher un release, donc un relâchement plus prononcé pour permettre effectivement un soutien des accords. Très belle proposition qui vous permet donc d'aller partir avec une couche vraiment très, très inspirante pour vraiment établir, créer le climat, mettre l'ambiance harmonique et des choses comme ça. Belle proposition, DS en format DS, Descent Sampler, Massive Pad, donc un pad effectivement suspensif qui est très réflexif aussi, qui nous amène un peu cette froidure, mais sans l'inquiétude du froid. Allons-y à rêvasser l'été. Je vous laisse donc avec cette belle découverte du compositeur E-J-I-M, qui a laissé donc sur le site Piano Book cette magnifique proposition qui est très inspirante, qui est vraiment forte en termes de couleurs et tout. Je vous laisse à votre tour le temps de la découvrir et je vous souhaite donc bonne inspiration, bonne visite et j'espère vous revoir bientôt. À bientôt, bonne inspiration, au revoir.